法国布列塔尼孔子学院成立于2008年10月25日，由中国国家汉办、山东大学、布列塔尼大区政府、雷恩市及周边城市议会共同创建。2010年9月成立菲尼斯代河分院，同年10月设立甘拜河教学点，总部位于布列塔尼大区省会城市雷恩市。第一任外方院长为 Blaise Thierry 先生和王丽萍女士，现任院长为 Cédric Gagnon 先生和季云霞女士。Une des spécificités de l'Institut Confucius de Bretagne est qu'il est à vocation culturelle. Les échanges autour de la culture chinoise sont à destination de tous les publics et dans tout type de lieux. Nous organisons ainsi de nombreuses interventions en milieu scolaire, mais également dans les maisons de quartier, dans les centres sociaux et dans les maisons de retraite. 3 professeurs et une volontaire travaillent à l'Institut Confucius de Bretagne, deux à Rennes, un à Brest et notre volontaire à Quimper. Une partie importante de nos cours ont lieu dans nos locaux, le soir, mais certains cours ont lieu dans d'autres structures à d'autres moments. L'école de commerce de l'EMBA à Quimper, l'université de l'ICR, des associations et même un collège.布列塔尼孔子学院有两大特点，一是以协会形式运作，基于布列塔尼大区议会、雷恩市政府及周边城市议会协作运行，理事会设有主席、总秘书长和财政总监，院长的职责是服从理事会的管理，执行理事会的决定，并在理事会的协助下建立相应的规章制度。Et donc au niveau des activités, on a aussi le souci de faire découvrir la culture, je dirais la culture bretonne, un petit peu de la culture bretonne aux étudiants chinois qu'on accueille ici à l'Institut, notamment la gastronomie bretonne, les crêpes et aussi les danses. Voilà. De cette direction. On compte 15. On prend d'ici, au nord est. Là, c'est bon, au sud. Il y a une fleur. C'est ce que j'allais dire. 4. Je vais penser un peu plus simple. Un autre aspect de notre activité est la promotion de la culture chinoise. Nous mettons en place des activités régulières, parfois en faisant appel à d'autres associations, et nous offrons à nos adhérents un choix très large d'activités, telles que des ateliers de calligraphie, de peinture chinoise, des sessions de jeux de mahjong ou de go, des cérémonies du thé, des espaces de rencontres et d'échanges entre Français et Chinois que nous appelons « coin chinois-français ». Il y a aussi ça, on dit que en France, on dit que le noir, porter la couleur noire, cela garde la chaleur. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai eu 8 étudiants成功获得孔子学院奖学金项目。在今后的工作中，我院将结合法国当地的实际情况，重点落实总部的新汉学计划项目。目前，我们已经将新汉学计划的相关的文件翻译成了法语，并准备印发宣传册，走进高校举行说明会。
L'ICB dispense des cours à un peu plus de 400 élèves, tous niveaux et tous âges confondus, du primaire et du collège jusqu'au supérieur, sans oublier les cours pour adultes, collectifs ou individuels, et qui correspondent pour certains à une formation professionnelle en entreprise. Notre institut est en effet un organisme de formation agréé.布列塔尼孔子学院是一个和谐、温暖、充满朝气、团结向上的团队。我们团队的每一位成员都在以饱满的热情为我们的汉语推广与文化传播事业尽着自己应尽的责任。Une partie de nos activités sont à destination d'un public d'étudiants et d'universitaires qui a pour cadre notre partenariat avec les universités de Brest et de Rennes. Nos professeurs, tous très compétents, ont comme trait commun d'être à l'écoute de leurs élèves et d'être impliqués dans leur enseignement. Ils cherchent à se perfectionner en participant aux formations organisées pour eux en France par l'Institut Confucius d'Arras ou aux formations d'éducation nationale ou encore en faisant des observations de classe dans les cours de leurs homologues français. Xiao Yang. Voilà, les petits moutons, ils demandent sans arrêt il est quelle heure, il est quelle heure, il est quelle heure. En chinois, c'est ti dian le. Ti dian le. Nous organisons également des stages et des formations pour nos étudiants, stages intensifs, semaines de révision, séjours linguistiques à l'université du Shandong, et également pour des personnes extérieures, telles que les formations pour les professeurs de chinois, qui ont lieu une fois par an, au début de l'été à Vannes, et auxquelles participent une vingtaine de personnes par session, chinoises et françaises confondues. Je pense qu'il y a une compétition de chansons chinoises, je crois, parce qu'il y a des cultures traditionnelles chinoises et il y a des situations actuelles de Chine. Donc, il faut qu'ils aient quelque chose de compétences scéniques en théâtre en chinois. Oui, en chinois. Alors, d'abord en français, puis après, oui, il faut qu'ils aient des compétences d'abord en français, et après, effectivement, ils feront des pièces, des scènes en chinois. 我院成功举办过国家汉办的巡演项目孔子学院大春晚，并成功举办过汉语桥世界大学生中文比赛、法国区域赛。莱茵市市长 Daniel Delavaux 先生、时任驻法大使孔权先生到会发言，法国国防部长 Jean-Yves Drian 先生应邀到场观看了比赛。2010年5月，我院召集全法第一届孔子学院联系会，时任驻法使馆朱小玉公参应邀到会发言，莱茵市副市长 Le François 女士、中国著名作家刘震云先生等也应邀参加我院的活动或举办学术讲座。2010年，外方院长 Blaise Thierry 先生荣获全球孔子学院先进个人称号。2012年，我院荣获全球先进孔子学院称号。
2013年 ，Alain Legala 先生荣获全球孔子学院先进个人称号。建院五年来，布列塔尼孔子学院在国家汉办、中国驻法国大使馆教育处、山东大学、布列塔尼大区政府、莱茵市政府及周边城市议会的关怀下，取得了骄人业绩。 Nous proposons régulièrement au public breton des expositions, dans nos locaux ou ailleurs, des conférences, des projections de films. Au moment du Nouvel An, nous mettons en place une semaine d'activités autour de la semaine chinoise, avec comme point culminant le Samedi en ville. Le Samedi en ville, c'est un collectif organisateur de 4 associations, une soixantaine de bénévoles, 4000 spécialités qui sont servies et environ 5000 spectateurs. C'est plus de 70 articles qui sont publiés ou diffusés, que ce soit dans la presse écrite, avec des journaux comme Ouest France, Le Télégramme, à la radio, avec Radio Laser, RCF, France Bleu Armorique, à la télévision, avec RNTV, France 3 Armorique, CCTV4, ou enfin sur le site du Ramban, sur le site de Tsinghua, ou enfin sur le site de l'Université du Shandong. Comme celle de Christine Barbedet et ses chinoiseries. Elle est allée à la rencontre de René pour récolter des objets. Et elle raconte l'histoire de ces objets au travers de portraits et d'un petit texte en fait, qui l'accompagne. Donc vous aurez sur la place de l'Hôtel de Ville une exposition d'une partie de ses œuvres. Et puis le reste sera retrouvé sur le site. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fête du Nouvel An chinois qui démarre toute une série de manifestations. Évidemment, des manifestations grand public avec à la fois un marché artisanal, un marché aussi culinaire, et puis une rencontre avec la population rennaise. C'est très important que l'on puisse montrer évidemment l'activité des étudiants, mais aussi d'une population chinoise présente à Rennes, et l'intérêt aussi pour les Rennais de la culture chinoise, vers la culture chinoise. Thank you.
d'accord.